Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pratique sur la Tesla. C'est la première fois que nous allons nettoyer la voiture. On va essayer sans produit spécifique, juste au Karcher. Je pense qu'on va aller à l'éléphant bleu, c'est ça? Ouais. Ouais, enfin s'il y a de la place. Sinon, on ira notre truc de lavage au Karcher juste à côté. Mais on va tâcher de tester l'éléphant bleu. Donc on a juste un produit basique de nettoyage pour l'intérieur de la voiture. Et on va essayer de se débrouiller avec ça, parce que là je pense qu'elle en a bien besoin. Ouh, on n'est pas tout seul. Hein. Tu crois qu'ils veulent tous aller nettoyer leur voiture? On espère que non. Ah, on va dire. Hein. Alors a priori on va quand même faire une petite halte à feu vert. Tu voulais prendre quoi du coup? Des microfibres. Ah, la microfibre pour la finition et le nettoyage. Pour le nettoyage. Et le nettoyage. Bon alors du coup on a pris une éponge microfibre pour la carrosserie, enlever les moustiques, tout ça machin. Et on a pris une microfibre pour l'intérieur et on va utiliser le produit que Camille avait déjà et on verra le rendu, si c'est top, pas top. Sachant qu'on a déjà repéré d'autres produits qui ont l'air de meilleure qualité. À l'éléphant bleu, du coup, je sais même pas comment ça marche. S'il faut de la monnaie, si on peut retirer des jetons, tout ça. Grosse découverte pour nous, pour vous dire hein, à quel point on s'occupait de l'ancienne voiture par rapport à la Tesla. Elle est quand même bien crade. Hein. Même les sièges, ils ont pris un schiste. Les tapis, tout ça en un week-end. Hein. Et oui, tout le monde est monté dedans pour l'essayer, du coup. Je vous parle même pas de la carrosserie, il y a 10 cm de merde dessus. En même temps, on est parti à Gruissant, en bord de mer. Ça n'a pas aidé, voilà. Ça, c'est les coups de pied des enfants, tout ça. Après, une voiture, c'est fait pour vivre, hein. Moi, ça me choque pas. Mais bon, c'est juste qu'il faut l'entretenir un peu. Donc, on va commencer par nettoyer l'intérieur. Et après, on s'occupera de l'extérieur. Elle est quand même bien crade. Je pense que ça va lui faire du bien. Ne nous jugez pas sur le premier nettoyage. On est des touristes en Karcher. Hein. Nous, avant, c'était rouleau. Mais bon, Camille a vu que les rouleaux, c'était fortement déconseillé pour les peintures Tesla. Du coup, elle a voulu essayer l'éléphant bleu. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait un petit truc découverte. On a nettoyé l'intérieur de la voiture avant de faire le nettoyage extérieur. J'ai juste le produit qu'on avait là, qui est un produit de marque Carrefour, il est pourri, hein, ça n'enlève pas toutes les traces. Donc on en commanderait un autre que Camille a vu, mais je vous le montrerai quand je l'aurai. Motivé ? Vas-y.
ben voilà, nettoyage terminé. Ça a l'air plutôt pas mal. Toutes les traces sont parties, les traces de moustiques, tout ça, ça a giclé. Avec un petit coup de polish là qu'on a acheté à feu vert. Elle était pas mal cette éponge. Voilà, j'avais plein de moustiques collés, tout ça, ça a sauté. Les optiques, elles ont l'air nickel. Les jantes. Les jantes, elles ont l'air pas mal aussi, ma foi. Niveau résultat, ça a l'air assez propre, tout ça. Ça a bien nettoyé les étriers aussi. Bon, bah, je pense qu'on peut valider la première expérience feu vert. Hein. Ma foi, ça a l'air pas mal. Donc, hein ? Merde, pardon. La première expérience éléphant bleu. Il faut que j'ai un assistant parce que... oui, j'allais juste dire, faut bien faire par contre tous les process, hein, le lavage, bien prendre du temps sur le lavage surtout. On peut aller plus vite pour le rinçage et la finition, mais n'hésitez pas à utiliser un jeton complet pour le lavage. Voilà. Et ma foi, bah, le résultat est plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me contacter si vous avez des questions sur les Tesla ou si vous voulez que je vous conseille, que je vous parraine, il n'y a pas de souci. Même juste pour échanger, si vous voulez aussi passer votre voiture sur la chaîne, que vous êtes de la région toulousaine, n'hésitez pas non plus, je suis dispo. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!